Salut, alors on est toujours à la caverne des pirates. Je parle, je dis on, hein, je parle à troisième personne. Qu'est-ce qu'il nous faut celui-là? Ah d'accord. Donc ouais, je voulais remettre dépassé, voilà. Donc là apparemment, il y a une espèce de toboggan, donc c'est qu'il faut tomber dessus après. Hein. Donc voilà, bon ça c'est un jeu d'enfant. Hein. Ouais, c'est pas très compliqué hein, quand on y pense. Un minimum de cerveau et c'est bon. Hein. C'est pas vraiment des énigmes pour moi, mais. Bon, ce genre de saloperie là, j'en veux pas. Moi. Alors là, le truc que je me demande, c'est comment récupérer le coffre qui est en face là. Parce qu'on peut pas tomber là, on peut rien faire. Ouais. Je sais pas. Ah! Ah ben lui. Ça, c'est mes jeans préférés, j'adore leur gueule. Donc là, il s'est bloqué tout seul comme un con. Donc ouais, ça, j'ai compris, il faut le jeter. Hein. Je sais pas non plus comment atteindre ce coffre là, mais bon. Oula, il saute. Il s'est cassé la gueule apparemment. Ah, c'est comme ça qu'on atteint le coffre, ok. Et celui-là? Celui-là, je vois pas, hein, par contre. Comment on peut l'atteindre? Ah, bah si, d'accord. Attendez. Ouais c'est ça. J'ai trouvé qu'on m'attend dessus là, donc je vais attendre dessus là d'abord. Ah d'accord. Ah merde, comment je fais après pour aller là-bas? Mais c'est merdique parce que si je fais ça, je peux pas aller là-bas après. C'est bien trouvé ça dis donc. Ah, attendez, c'est ça. Ah, je vois. Ah, bien trouvé, bien trouvé. Je l'avoue. Et après, je vais le tirer vers nous. Merde. Voilà. Bien trouvé, je vous. Donc ça se permet de ressusciter, hein. Pas génial, génial. Ensuite, il y a ce coffre. Oh yes, c'est la meilleure hache du jeu. Et meilleure arme pour Garrett, mais elle est maudite. Enfin bon, on s'en fout. Vous avez vu la différence d'attaque? Il y a 55 de différence d'attaque. Maudit. Donc maudit, c'est pas une altération d'état parce que c'est juste que ça empêche d'enlever l'arme. Mais comme elle est bien, je pourrais l'enlever. Donc là, il s'est réfugié par là. Donc là, c'est une situation pareille à l'autre fois. Hein. Je bouge par là, il bouge pas, si je bouge par là, il bouge par là. Donc hop. Stase, est-ce que je le tue encore? Non. Stase. Et voilà, il est stasé. Enfin, façon de parler. Il est sous stase. Et voilà, avec le jean qui me manquait. Donc du coup, Sophia a tous ses jeans. D'ailleurs ça fait quoi? On a bien eu ça, ok. Ce jean qui augmente pas mal de stats et qui empoisonne l'ennemi, ok. Donc il m'en manque plus que deux. Un pour machin et un truc pour truc. Il y a un pour Vlad, un pour Yvan. Donc maintenant faut sortir par où? Ah oui. Faut sortir par là-bas. Thank you.
Là, je sais pas si ça a marché longtemps cette tactique. Bon, là, tous les jeans que j'ai, les Warax, ils devraient pas tenir. Hein. Je pense que je vais l'exposer. Oh, des givres. Alors, ça, je me rappelle d'elles, elles sont pas mal puissantes. Mais j'utilisais pas cette technique avec tous les machins. Hein. Tous les comment. Toutes les invoques. Donc c'est des trucs de terre. Ouais, elle zone en plus. Elle zone. Ouais, si vous comprenez pas ce que je dis, c'est normal. Ah, ça va. Bon, je la termine au coup normal. Hein. Mortalité. Ah oui, il a attaqué avant. Bon. Ah oui, c'est à cause des jeans. Le petit enfoiré. Ouh, mère Gaïa. C'est comme Gaïa en plus puissant. Après, il y a Grande Gaïa aussi. Allez-y, ah, je suis là. Non, en plus, on level up bien ici. Même s'il n'y a pas de combat, enfin, pas beaucoup. Ouais. Et voilà. Un petit soin mineur en plus, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut utiliser portée déjà apparemment, donc c'est qui a portée. Ça a l'air bizarre comme endroit. Oh, ça a l'air chiant ici. Ok, j'ai vu. Bon, là ça peut l'air compliqué hein. De toute façon, si je me trompe pas, des énigmes avec portée, il y en a pas mal dans le phare de Vénus. Hein. Ah! Oh le con. Quel con. Je savais même pas qu'on peut la faire tomber en fait. Bon, en demi-tour. J'ai fait une grosse connerie. Hein. Désolé. Ah, et surtout, n'utilisez pas fuir pour. Parce que n'allez pas croire que fuir ça fait juste descendre un niveau. Enfin ça remonte pas un niveau. On quitte complètement la caverne du pirate et après on est niqué. D'ailleurs j'aurais dû pousser les troncs d'arbre à chaque niveau mais. Voilà. Quoi? Ah je me disais aussi. J'ai envie d'applaudir là. Voilà. Donc là on pourrait sortir direct. Quoi? Ça passe d'ailleurs. Ah d'accord. Et là si on sort ça va où? Ah voilà. Merde. Je vais être passé par là du coup. Franchement ça a l'air chaud. Je crois savoir comment faire là. Ouais, est-ce que je vais commencer par ce côté là ou. Ouais, je vais commencer par ce coffre. J'étais surpris tout à l'heure, je croyais pas que ça pouvait tomber dans les trous. Les... Mmh.
stop, s'il vous plaît. Ouais, comment je fais maintenant? Je peux le faire d'ici? Non. Ouais, bah... D'accord. On a besoin de faire demi-tour. Enfin, de quitter la salle. C'est ce que je voulais dire. Comment on va là, par contre? Oula, ça m'a l'air bizarre comme truc. Ah ouais, je vois... Ah, c'est tordu, hein, putain. Je viens de comprendre, faut mettre le bloc là où je suis, pour pouvoir aller là, ensuite. Donc là, ça c'est chiant, faut faire des allers-retours. Mais bon, c'est pas la bonne cause. Alors j'espère qu'on peut les déplacer là-dessus. Je vais d'abord prendre celui-là. Ah, c'est bon, on peut. Mais attendez, il faut que je puisse remonter après. Encore un truc merdique là. Si je le pousse là, je pourrais plus remonter. Oula là. Ah mais comment je remonte maintenant? C'est la question. Donc ouais, c'est le bordel là, comme d'habitude. De toute façon là aussi l'énigme a l'air chiante. Quel enfer. Ouais. Bon. Alors comment on fait maintenant? Si je fais ça, je remonte, je pourrais pas. Oh, il faudrait qu'il tombe directement. Oh là là. Est-ce que si je me mets là... Si je fais ça, je peux pas balancer les synergies, non. Là là. Franchement, je vois pas comment la faire celle-là. Ouais, peut-être comme ça. J'y crois pas trop, mais... Je vais essayer. C'est vrai, il devrait faire un jeu en multi comme ça. Ça marche pas. Non. Non, je vois pas. Non, franchement, je vois pas. Putain. Je sais pas qu'il y a des énigmes aussi chiantes. Là, si je fais partir... Ah, après, je suis obligé de les déplacer, ouais. Chier, il y a quoi comme pouvoir qu'on peut utiliser, là? Forcément, soulever. Je vais tenter soulever, là. Soulever. Ah, il veut pas. Bordel. Putain, je vois pas du tout, mais alors pas du tout comment faire. Faudrait que je sois là-bas. Je descende de là, ouais. Et là, il faut que je puisse monter là, en fait.
Non mais franchement je vois pas. On peut monter dessus mais ça sert à rien. Chier. Bon, je suis désolé, là je suis en train de gâcher la moitié de la vidéo, donc je vais plutôt essayer de prendre les autres coffres. Je réfléchirai dans mon coin en attendant. Ah mais il y a ça aussi. Si on pouvait déplacer celui-là. Non, je pense pas. Non, c'est pas grave. Bon. Donc, je récupère les autres. Et je veux absolument tous les coffres. Ne serait-ce rien que pour la fierté d'avoir pu récupérer en résolvant tous les ennemis. Toutes les ennemis. Mais merde. Quelle merde. Merde. Qu'est-ce que c'est que ces énigmes à la con? Je vais péter un plomb. Oh bordel. Ça c'est vraiment chiant. Je pourrais le faire au retour après avoir combattu Warax, mais j'ai pas envie. Mais il faut que je le fasse. Le problème c'est que oui, je pourrais le mettre là-haut, mais... Imaginons que je le mette là. Parce que là, je peux utiliser déplacer après. Non. Je peux pas, bien sûr. Et non. Je peux pas utiliser non plus... Portée. Vous savez quoi, je vais quitter la vidéo et je vais réfléchir dans mon coin. Donc salut et désolé d'avoir gâché la fin.